Salut les gens, c'est Slan, on se retrouve sur 119 minutes pour le Let's Play avec CK2. Je vous bascule immédiatement sur le jeu. Et voilà, alors la prochaine grande croisade, elle est en 991. On a encore le temps, 18 ans. Mais on va peut-être pouvoir déclencher une croisade bientôt. Dès qu'on passera en dessous de 50%, ça sera pas mal. Je dois pouvoir faire le royaume de Trésibonde quand monsieur daignera gagner sa guerre. Allez, c'est parti. Oui, non, ah oh, ça va pas. Oh là là là, la ruine. Pas exagéré quand même non plus, hein. On a dit qu'on allait faire un temple. Malheureusement, je vais pouvoir faire que 15 temples dans la partie, donc... Enfin, quoi que non, je peux en faire d'autres ailleurs. Ça ne me rapporterait pas forcément à moi. Donc, je verrai ça plus tard. Livida Zater, normalement, elle était censée progresser là-dedans, elle. Ah, on va l'envoyer en attendant, hein, écoutez. Bon, allez. Faut que je les note quelque part. Allez, je prends un petit papier. Je prends un petit crayon. Et je vais noter Neptune. Ici. Rien. Ici. Rien. Rien. Rien, je crois que celui-là j'ai déjà vu. Cérès. Apollon. Donc Cérès Apollon. Pluton. Pluton, Diane. Ah, apparemment j'ai un temple supplémentaire ici. Apollon encore. Voilà, on aura deux Apollons. Et Vulcain. Bon, c'est noté. Du coup, je vais pouvoir en faire un ici. Et ici. Super, on avance. Voilà. Dédié un temple. Allons-y. Apollon, Diane, Mercure. C'est parti. Bon, bah, on regarde plus maintenant. On les fait toutes. Hein. Tous, donc... Je note que j'ai fait Mercure. Exactement ce que nous avons besoin. Des sous? Ça va pas, non? J'ai l'ambition de devenir riche, mais pas à ce point. Alors, comment ça se passe, la guerre, là? Il va finir par prendre tes... Par ces jeux, tes trucs? Oh là! J'ai hérité sûrement... Du château qui était ici, c'est ça, voilà. Donc toi, tu es tribal, là. Ton patron, il est vassal. Je lui accorde un titre foncier. Ça sera la forteresse de Mappa. Oui. Voilà, ça c'est fait. Un comté. La foi hellénique, par contre, progresse extrêmement vite maintenant. Vraiment, vraiment extrêmement vite. Je vais plus avoir beaucoup à m'en occuper. Et voilà, 1000 pièces d'or, ça c'est fait. On va continuer à produire tant qu'on peut des choses. Hop là. Tout ce qu'on peut construire, on le construit. C'est vrai que les universités, c'est une priorité. Mais encore pas mal de trucs qu'on peut construire. Hein. Mais en même temps. Alors, les usurpations de temples, ça va bientôt s'arrêter. La province de Munteni, c'est la première, je crois. Hein. Regardez-moi ça. Bon, c'est moche. Mais moi, ça me rend heureux. Très heureux. Ah, il a gagné sa guerre, lui. L'émirat de Mésopotamie, bah je prends. Et c'est toi qui vas l'avoir, du coup. Par contre, tu vas passer sous le vassalage de monsieur.
Alors, est-ce qu'on est bien là? Oui, on est très très bien. Et je vais pouvoir recréer mon royaume de Trébizonde. Avant qu'il ne soit créé par quelqu'un. Voilà. Le petit Léo. Alors, qu'est-ce qui va sortir maintenant? Ok. Tu reviendras. Qui c'est qui est en guerre? C'est lui? Se défend. Voilà. Il était temps quand même. Par contre, combien t'as de troupes toi? 6000? Mais comment t'as eu 6000? T'as 3000 de ton domaine et 3000 mercenaires? Ah bah lui, il est devenu adulte et c'est à ce moment-là qu'il a décidé. Ouais, bah l'autre il a 15 000. Hein. C'est ce que je te dise. C'est Léo? Ouais, Léo. Ah, par contre, tu pourrais faire un effort sur la coupe. Alors le problème, Léo, c'est que je t'ai pas marié à la bonne. C'est ennuyeux. C'est toi que j'aurais dû marier à Marina. Quoique. Quoique, Léo, je vais te marier à quelqu'un qui va pouvoir s'enterrer aux attards. Ça, c'est pas un problème. On va te filer quelqu'un de compétent. Elle, elle a quand même drôlement la classe. Voilà. Elle va se convertir. On va te donner des terres bientôt. Alors, on vient de construire... J'ai été trop vite, je suis vraiment désolé. On vient de construire un nouveau bonus ici. Ça doit être la fondation pour la science, je pense. Il faut tous les prendre, hein, dès qu'on vous les propose. Autre commercial, par contre, est susceptible de partir. Mais il faut toujours tous les prendre. On s'en remet vite. Oui, les grands ouvrages sont interrompus. Ils reprendront plus tard. Les escortes. C'est combien 1450? Ça doit pas être bon. Oui, vas-y. T'es toujours bienvenu. Par contre, du coup, je vais te demander un artefact chinois pour chanter. L'histoire de la Chine Yuan. Qui c'est ça? Mon vassal? Alors, on va vérifier que tout le monde est bien en guerre et qu'ils font tous leur boulot. Toi, t'es pas en guerre. En fait, Roma, il faut vraiment que je te donne le reste pour que tu te... Ah, t'as eu un petit bout ici? Très marrant. Il faut que je te donne Romagne. Bon, le problème, c'est que c'est mon fils. Il est beau, mon fils, en plus. Il est beau, il a que des qualités, l'orgueil, tout ça. Comment je pourrais faire pour m'en débarrasser? Ça me fait penser que je vais m'occuper de Léo. Ah, je peux pas t'enseigner la vertu, tu l'as déjà eu. Et elle. Enseigner la vertu. Et donner des conseils spirituels. Parce qu'au final, on changera peut-être d'avis, sera peut-être elle l'héritière. Et de la grâce, ça. 9000, on a de l'avance avec l'Empire chinois. Alors l'Empire prend cher quand même là. Hein.
Combien je gagne par mois? Avant c'était une centaine. J'espère que ça n'a pas trop baissé. Oh, 125, ça va. Ma fille avec héritier du duché de Calab. Mais ça va pas, non? Donc, il faut que tu ailles épouser Hypatios. Arranger des fiançailles avec Hypatios. Matrilinéaire, voilà. Wow, on a eu un héritage là. Le duché de Obsikion, on va l'usurper. Le duché de Obsikion, et on va le donner à celui qui est là. Hop. Voilà, voilà. Ensuite, on va reprendre tout ça. Voilà, ça avance bien. La grande forteresse, bientôt finie. La grande bibliothèque, j'ai hâte de voir ce qu'elle me propose. Alors, le taux de propagation de la technologie, j'espère que c'est pour le pays entier, parce que sinon, c'est vraiment pourri. Et ça coûte des sous, par contre. C'est peut-être à construire. Je sais pas si c'est à construire ou si c'est... J'espère que c'est pour le royaume entier. Oui, il faut maintenir la route commerciale, bien sûr. On va continuer ici à construire à Constantinople. Le champ de Mars, niveau 3. Ça va faire beaucoup, tout ça. L'hôpital, on peut rien faire. Ça, c'est en cours. Allez, les murailles, c'est bien. Hop. La place de rassemblement. Et là, on n'a plus de sous. Alors, est-ce que tu es en guerre, toi? Toujours pas. Toi, il faut lancer une nouvelle guerre. Hein. Toi. T'es sûr que c'est toi que j'ai nommé? Je me souviens pas du tout de ta tête. Bon, on t'attaque qui là? Vous attaquez personne là? Vous êtes sérieux là? Ça feignasse, ça feignarde là-dedans. 741, j'aime bien les dîmes. Ok, là on peut rien faire, l'hôpital non plus. Et bon, on va passer au suivant. Au suivant, le champ de Mars. Je sais pas si on peut les détruire ces trucs là, non, ça reste là. Avant ils étaient détruits automatiquement, maintenant ce n'est plus le cas. Alors, on va s'occuper des hôpitaux. Pour commencer dans les autres provinces, on va commencer par les hôpitaux, toujours. C'est le plus important. Ça apporte de la technologie, prestige, piété bien sûr, mais surtout de la technologie et de la résistance aux maladies, c'est très pratique. Non, c'est pris. Allez, viens. Je me méfie de la mort maintenant. Là, c'est quoi? Toujours iconoclaste. Ah, une guerre sainte. Contre roi Lensar, le monstre. Est-ce que c'est le roi de... Eh ben voilà, c'est très bien. Regarde pour Toscane. Oh, on va faire la jonction là. Vous voyez, on risque de faire la jonction, tout à fait. Ça serait pas mal. Ça serait vraiment pas mal. Donc lui, il a combien d'hommes? 8000. Et toi, 6000. Comment tu fais pour avoir 58 tailles de domaine? T'as tout révoqué à tout le monde? T'es un grand malade. Il a tout révoqué à tout le monde.
Alors comment tu l'aimes lui? Comment tu aimes ton suzerain? A invoqué mon titre, a invoqué le titre des vassaux, moins 780. C'est excellent. Il a tout révoqué. Et il va perdre sa guerre par contre. Il va perdre sa guerre. Non, c'est pas lui qui a fait la guerre. Mais qui c'est qui a fait la guerre? C'est mon fils qui fait la guerre? T'as 4K mon gars. Bon bah écoute. De toute façon, ça va l'affaiblir. Ok, on va continuer. Pempton, on va pouvoir construire quelque chose. Université, excellent. Donc, taux de propagation de la technologie, plus 60% point de technologie économique, plus 0,10. C'est vraiment énorme. Hein. Surtout les taux de propagation, après ça accélère à fond. Alors, quand vous avez plusieurs villes dans un endroit, vous gagnez des points assez monstrueux. C'est pas encore énorme. Hein. Les bâtiments, 0,82 seulement. Hein. 0,82 seulement. Moi je baisse plus parce que là ça ne vient jamais jusqu'à nous les maladies. On est complètement immunisé aux maladies. Bon, je rigole, hein, ça pourrait venir. Ça pourrait venir, mais on a quand même 50% de résistance. Et surtout, on va essayer d'avoir la technologie de construction 6 pour améliorer encore. Et donc passer à 75%, hein. Et pour le reste on a tout. Ah, le duché de Sicile, bah oui, t'as recréé tous les duchés, c'est ça? Alors, mes enfants, 48 ans, j'en aurai pas d'autres, c'est vraiment dommage. Alors, elle est homosexuelle, forte ambition, tempérée, chasteté, gauchère, cancer. Je l'aime bien quand même, elle. Hein. Peut-être en faire mon héritière. Encore 1000 d'or. Et bon, on va continuer. Ici, ça construit. Ici, ça construit plus rien. Ici non plus. On a les cercles de contrebandiers, tout ça qui sont en train de disparaître petit à petit. Et ça continue à construire. Alors, une alliance. Faudrait que je retire le truc de Roma, mon fils, mais là il est en guerre. Tu gagnes ? Ah, tu gagnes quand même un peu. C'est à toi toutes ces troupes? Bah, où t'as trouvé tout ça? T'avais 4000. T'as pris des mercenaires. Faut dire que tu peux. Faut dire que tu peux. Alors. C'est quoi le prochain truc qui va passer? 71, 78, 68, 22, 86 là-haut. Encore un petit peu de temps. Hein. Quatre-vingt-onze ans. Ça va être celui-là. Bah, tant mieux. Là, je serai débarrassé. Quand je serai bientôt débarrassé de ça. Je pourrais arrêter de créer le royaume de Thrace. Non, je pourrais pas. Il faut d'abord que le royaume de Grèce disparaisse. Voilà, ça, c'est une des priorités. C'est le royaume de Grèce. Il faut qu'il disparaisse. Comme ça, ça sera assimilé dans le royaume de Thrace. Et après, je pourrais supprimer le royaume de Thrace et j'aurai plus de royaume. On va voir si on peut pas faire un petit toit. Ah!
Forte ambition, bah oui. 77, c'est bientôt ça, c'est quand? En août. Je commence à avoir 31 en tendance, c'est pas mauvais. Hein. Ah, le Magyar. Alors, qui va remplacer le Magyar? Oh, bah ça va sûrement être Alexandrie. T'es romain, la bonne religion, t'as 2300 hommes. Oui, ça va être Alexandrie. Ah, ça dépend quel âge t'as, 44 ans, t'es un peu jeune. Ton héritier. Aswan, 5 ans. Oui, il va se faire des maîtres. 26 ans. 41 ans. Là, on va le nommer lui. Quand même bizarre qu'on puisse créer aucun royaume pour l'instant. Bon, pourtant, on a tout. Non, il nous manque un truc, Égypte. Voilà. Parce que j'aimerais bien faire en fait remplacer Magyar par royaume d'Égypte, hein, parce que ça, c'est pas pressé ici. Hein. Ok, allez, je transfère les vassaux. Les vassaux. Jérusalem. Tunis. Le duché du Caire. Le duché de Tunis. Alors, j'ai l'impression qu'il n'a pas autorité sur grand chose pour l'instant. Hein. Ouais, pourquoi? Parce qu'il y a un royaume de jure d'Egypte et qu'il est détenu là-bas. Et là, pour le coup, je peux pas le détruire. Décembre. Il y a une bataille à Constantinople, c'est quoi la blague? Alors, concéder. Concéder. Donc il va te manquer Aswan, Sinaï pour l'instant, et ça sera tout. Ensuite, lui réfléchis. Encore dédié un temple. Ah bah dis donc, je n'arrête pas, d'en dédier des temples. Mercure. Et bien, on y va. Alors. Mercure, Diane, Apollon, c'est fait. Apollon l'a même fait deux fois. Vesta, Cérès, Vénus. Alors, Vénus, on l'a pas fait, on va faire Vénus. Alors, qu'est-ce que ça fait, Vénus? Vénus, ça fait risque de local de révolte moins 10%. C'est nul, c'est vraiment nul. Là, je les teste tous, hein, mais vous, si vous faites une partie, j'imagine que vous prendrez que ce qui vous intéresse. Y a pas de raison, hein. C'est pas gênant de faire 50 temples à la même personne. Notamment, je pense à ceux qui donnent de la technologie, là. Cérès, technologie économique plus 0,5, bah, faut pas se gêner. Hein. On en fait, hein. Pour 250 trésors, faut y aller. C'est quand même énorme. Hein. Voilà, grâce au bâtiment, plus 40%, ça fait 0,7. Vous en faites, ouais, ils en fait à peine une dizaine pour 2000 pièces d'or. Alors, la Crimée. C'est quand notre loi?
en août 77 et le titre que je peux invoquer c'est en décembre. On va tout faire en décembre. Oh, ça bouge. Là, il est encore en guerre, c'est ça? Voilà, il se va se faire vassaliser ce coup-ci. Là, ils ont réglé le problème. Ah, Enable Token Class. Où est-ce qu'elle est? Oh non! Pas très sympa là-bas. Franchement, il y a des endroits plus sympas pour mettre. Ah, mon fils, il a eu un fils. Ou pas. On va voir ce que ça donne. Un, deux, trois, Ashina. 4, 5, 6. Bon, je vais dire en zoté. Un, deux, trois avec Ashina. 4, 5, Antonia. 6. Ah ouais. Il n'a pas la bonne lignée, lui. Non, c'est une guerre de merde. Dans les bateaux. Et le bateau, ici. Ça devrait quand même être assez vite réglé. Voilà, allez. Tout le monde dans les bateaux. Les bateaux. Et ici. Ah oui, elle a pris fin là, tu m'étonnes. Ça te dérange pas toi qu'on parte deux secondes? Pas du tout gêné, hein. On va démonter les bateaux. Enfin, démanteler, je sais pas. Alors, on a encore un petit peu de sous, donc on va encore aller dépenser un petit peu. Là, ça construit un port. Un port. Ah bah, je vais pas me gêner, hein. Tout ce qui rapporte des revenus fiscaux. Il semblerait qu'on ait pris une technologie citadine sans en parler. Je pense que oui. La facture citadine. Voilà, on est à 4.0 pile poil. Ah bah non, on peut pas en prendre des technologies. On parlait. Non, bah non, ça devait être constructible avant. Alors. L'étape 1, forteresse de Constantinople. Excellent. J'ai hâte. Alors, les artefacts sont moins facilement volés, oui. Infanterie lourde, plus 100. Ah, ce genre de truc, moi, ça me fait envie, quoi, en fait. Hein. Défense du siège, chance d'arrestation. Exécuter les prisonniers, oui, mais bon. Grande chance de CRP à la capture après une bataille. Ouais. Organisation terrestre. Ah, ça c'est pas mal. Intimidation. Chambre de torture. Résistance à la maladie. Non, hypoco sur le chauffage. Pic, on a vu tout ça, c'était partout, grande route. Peinture murale, chambre de torture. Alors, moi j'aimerais des trucs absolument et uniquement des trucs qui font plus de levée. Moi je vais faire ça, l'infanterie lourde plus 100, oh, c'est peut-être pas énorme.
défense du siège, chance d'arrestation. Chance d'arrestation, ça m'intéresse pas. Artefact m'ont facilement volé. Ben, je sais pas pourquoi ça serait volé, mais bon. On va le prendre. Ok. Grand chef de Temes. Mais tu rigoles ou quoi? On va pas signer un pacte de non-agression, t'es pas bien dans ta tête. Oh, ma fille. Avec lui, bah avec plaisir. Maintenant, il est devenu quoi, ma fille? Une nouvelle héritière, je pense, hein. Je pense qu'elle serait pas mal. Je crois que je veux encore changer d'héritière. Pourquoi je peux pas prendre Max? Ah, faut l'égalisme. Moi, j'aimerais plus d'or parce que les troupes, au final... Succession. Plus j'aurai de vassaux, plus j'aurai de troupes de toute façon. Donc plus ils seront gros, plus ils seront puissants, plus j'aurai de troupes. Et moi je leur prends, plus il leur reste pour faire leur propre guerre. Donc. Désigner successeur. On va vérifier. 8, 15, 11, 12, 2. Elle est quand même sacrément plus équilibrée. Elle a plus d'intendance, elle a moins là, là, elle a moins là, mais elle a de réduction. Elle a quand même pas mal en érudition. Je la prends d'elle. Voilà. Évidemment, faut la nommer partout. Et Livilla. Voilà. Ah, on perd encore un peu. C'est le temps qu'ils changent leur vote. Voilà. Bannir. Rançonner. Mince, je crois que c'était mon... Je suis pas sûr. Même s'il avait pas un titre, lui. Bon, bah écoutez, on a assuré la succession. Là, je pense que ça sera pas forcément la dernière, parce que si lui, la fille, là... Kaisarina, dont j'aimerais bien m'occuper, moi. Ah, elle est belle en plus! Ah, mais faut que je la nomme elle! Mais c'est clair! Et elle a quoi comme lignée? Elle doit avoir hérité de pas mal de trucs. Voilà, elle a Hélène. Deux. Par contre, elle a pas le... Si, elle a Basilius. 1, 2, 3 pour le part. 4 avec le Basilius. 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, elle en a 9. Elle en a beaucoup. Elle, il doit pas lui en manquer beaucoup, elle. Oui, il faut que j'en fasse mon... J'ai encore changé d'avis. Mais c'est pas un souci. C'est pas un souci de changer d'avis. Allez, où? Elle est pas dedans. Alors lui, il a le roi, mais pas elle. Donc du coup, il vaut mieux que ce soit lui, son père, qui hérite. Je sais que je suis chiant. Hein. Voilà, ça sera le père. Comme ça, il pourra transmettre à sa fille.
Bah, je sais que je suis chiant. A priori, ça serait plutôt un dirigeant de transition, lui. Ça saute souvent une génération. Un dirigeant court, un dirigeant long. L'épée de Jupiter. Alors, il gagne sa guerre. 58% en faveur de l'autre. Bah, fallait s'y attendre. Hop. Et je vais tutorer la fille. Excellent. Par contre, héritage, ça me plaît pas du tout. C'est tellement pourri d'avoir fait ça. C'est ça pour qu'elle change de religion. C'est vraiment dommage. Ah, bah c'est pour ça qu'elle est pas éligible. Ok. Donc elle le sera du coup à sa naissance. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à tout de suite pour la suite.